Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu un espace un peu différent d'habitude. Vous avez sûrement vu, si vous avez vu ma vidéo de ma collection, vous devinerez que je suis dans ma chambre. Là vous avez une Barbie qui traîne. Alors c'est pas pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un colis. Et que je trouvais que la vidéo colis la dernière fois était pas super top top parce qu'on voyait pas super bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de l'ouvrir comme ça en face caméra. En face caméra, si vous avez pas entendu, parce que je vais raconter bien. Ce colis me vient de Californie. C'est une amie qui m'a permis d'avoir des nouvelles poupées que je ne pouvais pas avoir. Elle les a achetées et donc elle me les a envoyées quand elle est arrivée en Californie. Quand elle est allée en Californie, voilà. Et donc j'ai reçu le colis aujourd'hui et donc je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, bien sûr. Et si jamais les poupées vous plaisent ou si vous voulez voir la review d'une en particulier, je vais pas la faire là dans cette vidéo aussi, mais si vous voulez la voir, vous me le dites dans les commentaires et je ferai sa review. Alors, je l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir et je vous retrouve. En fait, je sais pas pourquoi j'ai coupé parce que ça allait juste mettre un coup de cutter. Voilà. Alors, on va ouvrir. Ah ah. Bon, alors, je vois qu'il va y avoir un petit peu plus de travail que prévu. S'il faut que je les déballe une à une. Donc, alors, j'ai pris celle-ci. Je crois que je vais, bon, je vois qu'elles sont bien emballées, donc je vais les déballer et je vais revenir d'ici 5 minutes pour vous montrer. Mais voilà, alors ça m'a pris beaucoup plus de temps que je le pensais, mais faut dire que il y avait pas mal de bulles là et que le papier collant était pas top top. Bon, bref, ça c'est pas ça le problème. Les poupées sont vraiment magnifiques, alors je vais vous les montrer une par une. Alors pour commencer, la première que j'avais pris en main, qui est impossible à trouver d'ailleurs par ici, alors c'est cette Spectra. Voilà. Qui fait partie du pack Mole Monsterista ou je sais plus comment c'était l'autre, Fanging at the Mole, voilà. Qui complète ma collection de Spectra d'ailleurs. Maintenant j'ai toutes les Spectra différentes. Alors bien sûr je n'ai pas eu qu'elle, vous devez vous douter que j'ai eu le reste aussi. Donc j'ai eu Invisibini de la même collection avec son corps transparent. Alors vous voyez sûrement qu'il y a un reflet de lumière ici, donc par exemple on peut voir vraiment que son bras est blanc ici. Voilà. Après j'ai eu aussi Gigi, de la même collection. Je vais essayer de la montrer ici plutôt. Voilà. Avec sa très belle robe. Et même encore son sac attaché. Alors, je viens de remarquer ça, elle ne me l'avait pas dit non plus et je ne le savais pas. Les sacs, ce sont des faux, il n'y a pas de dos. Donc, ça, c'est l'économie de ma tête. Voilà. Et puis finalement, nous avons Claudine. Toujours dans la même collection. Avec un sac aussi à demi fait. Et puis nous avons Draculaura. Avec sa robe de Veronica Van Vamp, donc Elisabeth. Et voilà, alors ça c'était pour le premier, donc après finalement il en reste encore. Excusez-moi, j'essaie de me zoomer dessus parce que je vois que mon téléphone s'actualise toutes les 5 minutes. Alors ensuite nous avons eu un autre pack, alors cette fois-ci c'est un pack de deux, ce sont les Scare and Makeup, donc Claudine et Viperine. Alors j'ai pas encore ouvert le sachet de leur accessoire, mais elle est donc complète vu qu'elle les a achetées en boîte, elle les a juste déboxées pour rendre plus facile l'envoi. Et la plus belle, et la plus rare et la plus importante, c'est Rochelle de la collection Haunted. Alors son corps est vraiment marrant parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi transparente, si on peut dire. Mais elle est vraiment super belle. Alors, elle a pas su mettre les boîtes parce que ça aurait coûté trop cher en frais de port, mais elle m'a quand même mis des dessins. Donc, par exemple, j'ai le dos de la boîte de Rochelle. Après, j'ai les dessins de la boîte de Scare and Makeup. J'ai aussi le dessin du dos ici et du côté. Ici. Voilà. Et après, j'ai aussi les dessins, donc les cartons du pack Mole Monsterista. Ils sont trop beaux, je crois. Et puis finalement les petits dessins sur le côté. Voilà.
Alors aussi, j'ai le... donc là j'ai encore des petits accessoires. Alors c'est bon, il y a le soc de Rochelle, enfin je déboxe pas. Il y a le soc de Rochelle, il y a les accessoires de Skyrim Makeup. Ici il y a le bâton. Donc voilà, donc ça fait pas mal de nouvelles poupées au final. Je la remercie énormément. Thank you so much if you look at them, if you look at my video. Voilà, donc sinon c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai les reviews si jamais vous les voulez, donc laissez-moi un commentaire juste en bas. N'hésitez pas à aimer la vidéo, dites-moi si, si ça vous a plu, si cette vue vous plaît, je sais que je ne suis pas très agréable à regarder non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Flickr, Facebook et Instagram, donc les liens sont dans la description. Laissez un j'aime. Et d'ici là, amusez-vous bien, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, reviews et un peu tout ça. Et salut les ghouls!